De retour sur motherfucking Pascal le grand frère. Vous savez que les gens sur Twitch attendaient ça avec impatience. Revoir un épisode de mon brother Pascal. Mais Pascal, ça en vrai, je vous avoue que ça m'a manqué. Et surtout, on m'a expliqué que cet épisode-là était incroyable. Que franchement, vous n'allez pas regretter d'avoir attendu. Donc, est-ce que vous êtes ready, les Rey? Quelques heures plus tard, le calme semble être revenu. Plombier de formation, Florent se complaît dans l'inactivité. Salut Florent! C'est nous qui te disons, bah non, on va pas au boulot, on reste à la maison. T'es aussi bien. Non, ça m'étonnerait qu'on t'ait sorti ça, excuse-moi. T'es au-dessus de tout le monde, toi. T'es le meilleur, toi, mais en partant du bas, tu vois. Oh! Damn! Un clash dès le début, ça va être intense cet épisode-là. Je vais fermer ma gueule. Non, je fermerai ma gueule. Non, je vois pas pourquoi je vais fermer. J'ai moi ici. T'as fait vachement l'avant. C'est ça, c'est moi qui me suis acheté. T'as pas tiré de l'avant. Oh! Bah si, alors là. C'est ça, non? De toute façon, je vais la vendre. Pourquoi tu vas vendre sa télé? Je la vends. Je la vends pas? Si. L'emblème de sa fainéantise, la télévision. Oh non! Je la mets avant. Non, tu me la remets. Oh. Faut que je tape quelque part pour que je m'énerve parce que si je tape pas, ou si je. Enfin, je sais pas, j'ai pas réussi à me calmer. Si je tape pas, je peux pas me calmer. Oui, bro, genre, chill là. Oh, je sens que cet épisode va être exceptionnel parce que si le frérot libère tout grâce à la violence, il va être vraiment déçu quand il va voir Pascal. Ou peut-être qu'ils vont faire un duel. Ça, j'aimerais vraiment. Un duel Pascal contre lui. Of course. D'habitude, of course. Encore d'un lourd sommeil. Vont employer les grands moyens pour réveiller le jeune plombier au chômage. Alors, t'es toujours pas décidé à te lever? Quoi, les grands moyens? Lève-toi. Et si je défonce ta porte? Quoi? C'est un swatting, je vous jure. What the fuck? FBI, open up! Après 45 longues minutes, le loup sort enfin de sa tanière. La journée débute à peine pour Florent que déjà, le conflit s'embrase. C'est qu'un feignant, un vas-y, balance. Oh! Vas-y, balance. Oh, il y a du duel. Ah, oh, ça va être chaud. C'est qui, hier soir? Je suis ta mère. Cette blague-là, elle marche pas sur ta propre mère, frère. Je pense que t'as pas compris. C'est une honte de voir un mec comme toi. C'est vraiment une épave. Hein. Une épave. Je m'en fous de ta gueule maintenant. Ouais, parce que tu t'en fous de ma gueule. Maman. Après les reichs, je sais que vous êtes tous diplômés, vous êtes tous des psychologues certifiés ici dans le chat. Vous trouvez que la solution, comme le père, il a l'air d'en avoir vraiment marre. Il fait que l'insulter, c'est sûr que c'est pas une solution. Il faut qu'il vienne au bootcamp, là, le papa aussi. À deux à l'heure. Mais n'importe quoi, je peux. À deux à l'heure. Je peux très bien très vite quand je veux. Comme tous les jours. Du matin au soir, t'as la tête dans le cul. Boiter le cul plus souvent, ça marcherait. Oh. Vas-y, bah fais-le, mais... Oh, ça c'est une provocation. Qu'est-ce que tu fais là, là comme un piqué là, putain. Oh. Non, c'est quelqu'un que j'apprécie, hein, mais... C'est génial la transition, juste après t'as qui t'a poussé. Une fois de plus, Sylviane et Joël vont tenter de l'aider à trouver du travail. Moi je vais avoir du boulot direct, mais il me faut de la thune maintenant, moi j'en ai rien à foutre de faire de la thune. Yann et Joël ont beau tout essayer, Florent a toujours une bonne raison de ne rien faire. Vous pensez le frérot, il pourrait t'engager dans quel domaine à tout hasard? Yo, il pourrait devenir streamer, devenir youtubeur, j'avoue, brother, profite du fait que t'es à la maison tout le temps, fais comme moi. Irrité par le comportement de Florent, Joël réédite son joli coup de la veille, il s'enferme dans la chambre. Pense à l'argent, bro. Pour le priver de télévision. Tu fais quoi là? Faire du travail déjà, on verra après. Oh, qu'est-ce qui se passe? Bah, tu fais quoi? La musique épique là. Faire du boulot. Bah tu fais quoi? Tu verras. Il ment, il est en train de prendre ta télé là. Oh, c'est l'erreur. Je prends mes affaires. Il prend juste son disque dur, t'inquiète bro. Là, pour l'instant, t'es avec moi. Pascal, qui a répondu à l'appel au secours de cette famille, arrive tout juste sur le patio. Toujours au bon moment. Wow. Oh shit. Lui, il déconne pas. What the fuck? What the... Alerté par les cris, Pascal n'hésite pas. On est dans une séquence de The Shining ou quoi? What the fuck? Il est pire que l'FBI pour sa petite télé là, what? C'est à moi, tu laisses ça, t'as rien à foutre, tu laisses ça. Derrière toi, bro, derrière toi. Ouais. Je vais pas te poser une question là. C'est Pascal là, je viens d'arriver. Ouais, on avait pas remarqué parce que l'entrée était quand même fracassante de l'autre frérot là. Pascal était vraiment moins impressionnant là-dessus, je vous avoue. Son entrée, 2 sur 10 après ça. Oh là, ouais, je suis en train de te parler, garçon. Et il prend pas mes affaires, c'est tout. Dis-moi ce qui se passe. Prends pas mes affaires. Par rapport à quoi? T'as l'argent, fainéant, tu glandes, tu fais rien. L'argent quand j'ai travaillé en intérim. Ah bon? Il y a combien de temps? 3-4 ans au maximum, bro. J'ai vu quelques personnes comparer le frérot à Hulk. Vu qu'il se retient vraiment, il a l'air d'avoir beaucoup de colère enfouie. Le fait qu'il détruise des portes comme ça, je pense qu'on peut le baptiser Hulk. Il rentre officiellement dans le Cinematic Universe, les Rey. Florent s'isole dans sa chambre. J'ai l'impression que ma vie c'est de la merde, c'est tout. Pourquoi t'as cette impression là? Dis-moi. Parce que tout le monde se moque de moi, on se moquait de moi à l'école et tout ça. Voilà, ok. C'était quoi les surnoms qu'on donnait à l'école? Shrek. Ok, super.
C'est pas drôle, les Rey. Comme on veut pas aller en enfer, on rigole pas, ok? Je peux comprendre que t'es dans... Montre aux gens. Oh, c'est inspirant. Ils ont eu tort. Montre-leur. Oui, dis-leur, Pascal. Pascal va le soumettre à une première épreuve afin d'évaluer sa motivation. En passant, le son, je pense qu'ils se sont fait avoir par des barrières de copyright. Désolé si c'est la qualité moins bien. Il y a un petit chemin, là. Tu vas emprunter ce petit chemin. Tu vas être tout seul. Livré à toi-même. Livré à lui-même, le jeune garçon de 22 ans va devoir parcourir un chemin où plusieurs enveloppes l'attendront. Pour me respecter, il faut me donner. Pour me donner, il faut m'avoir. Qui suis-je ? Attendez, les Rey, c'est un moment où on peut flex son être humain incroyable. Pour me respecter, il faut me donner. Ok. Pour me donner, il faut m'avoir. Qui suis-je ? Bah, les Rey, c'est évident, c'est la confiance. Est-ce que j'ai 2000 de QI ? La confiance, non ? Du courage. Motivation. Non, bro. Enfin, j'arrivais pas trop à trouver si c'était quoi. T'inquiète, tu peux le faire là. La confiance. Yeah ! Le bado est trop fort. Ça part de là, frérot. From Shrek to Hulk. Let's go ! Ouais. Oh. Florent. Oh, c'est qui ça ? Genre, il va devoir se battre contre elle, les Rey. Hey, c'est. Comment ça s'appelle ? C'est pas Black Widow là ? On reconnaît aussitôt la personne à qui il a affaire et la peur se lit sur son visage. C'est qui ça ? Car un nouvel obstacle se dresse sur son parcours. Il est de taille et il porte un nom, Christelle. Éducatrice et championne du monde de karaté par équipe, qui est là pour freiner sa progression. Oh, t'as un boss frérot, t'inquiète, là t'as évolué, tu sais c'est quoi le mot confiance ? Il va clairement la battre. Malgré ses 120 kilos, Florent fera-t-il le poids face à notre karatéka de 70 kilos ? Qu'est-ce qu'il est bâtard cet animateur avec ses jeux de mots ? Parvient à Christelle hors du cercle en moins d'une minute, il remporte le combat et gagne ainsi le droit de découvrir le second mot. Presque comme, voilà, un échange. Oh. Voilà. Tu dois le sentir. Je vous avoue, ça a plus l'air d'une danse. Est-ce qu'au montage, on peut mettre une petite musique ? Une petite danse classique, là, waouh ! Souffle-moi, là ! Il y a encore un coup. Allez, je sors avec moi. Tu dois le sentir. Les Rey. Comme j'ai vraiment l'esprit mal placé, genre comme ça sonne pas comme un... Voilà, tu me sens. Encore. Allez, encore, mec. Et souffle-moi, là. J'ai 12 ans d'âge mental, c'est pas possible, genre. Allez, encore un coup. Allez, tu sors avec moi. Fais-moi sortir. Voilà, encore. On est moins bout. Ouais, c'est bizarre quand même, là. Florent gagne peu à peu en confiance et en détermination. Je te reverrai plus. Adieu. Montre que t'en as... plein cœur. Allez, salut bonhomme. Le jeune homme se lance alors à l'assaut du dernier mot. C'est une vraie aventure là, le frérot se transforme en Frodon, il fait des quêtes. Découvrir. C'est incroyable. Florent ne le sait pas encore, mais c'est une marche de 3 km dans les méandres. Quoi ? Forêt qui l'attend. Finalement, alors que l'épreuve dure depuis près de 3 heures, Florent apparaît enfin. Le revoilà ! Ou échoué. Bah ici, il est revenu, il a réussi. T'as la clé ? Oui bro, oui. Bravo. Ma mère, il est trop fort. From Shrek to Hulk. C'est un courage. Non mais il a step up là. J'ai repris mon... Nice job. Et dans l'enveloppe, il y avait le mot volonté avec la clé pour qu'on puisse continuer. Bien joué. Il a fait toutes les quêtes. Pour mieux comprendre les raisons de la colère de Flo. Yes. Ses parents restés dans la yourte ne vont pas perdre une miette de son entretien avec Pascal. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Ça va frérot? Moi je veux qu'on tape. Je dis il a des vibes Hulk là. Il y a que ça qui me fait, c'est chez toi. J'ai envie qu'on me cogne, c'est tout. J'ai toujours connu les autres, j'ai envie qu'on me cogne, j'ai envie de savoir ce que ça fait, c'est tout. Tu veux que je te cogne moi? C'est ça que tu veux? Je pense pas que tu vas kiffer tant que ça frérot. C'est pas cool comme sensation, une commotion cérébrale genre. Tu veux quoi? Je te pousse comme ça le visage, qu'est-ce qu'il y a? C'est ça? Oh. C'est ça que tu veux? C'est ça que tu veux avec moi? Non. Pousse-moi, vas-y, vas-y, prends moi. Oh. Vas-y. C'est un combat sans gants. Oh. Et parle-moi en même temps, parle-moi. Parle-moi, je te dis. J'aime ma mère. Tu l'aimes? Oui. Et tu lui fais du mal comme ça, toi? Inspirant. C'est comme ça que t'aimes tes parents? Tu peux quelqu'un bien? Ouais. Allez. Ouais, vas-y. Ouais, vas-y. Vas-y, frappe-moi encore. Eh ouais, tu vois? Quoi? Quoi? Est-ce qu'on assistait vraiment à cette scène là quand même là? Je peux bien croire que c'est de la pédagogie ce que fait Pascal, mais là, c'est pas... c'est quoi ça? Grâce aux mots de Pascal, Florent vient de prendre conscience du calvaire qu'il fait endurer à ses proches. J'ai pas été un bon frère pour mes soeurs. J'ai marre d'être gros. Ah, merci. Enfin, ça y est. Voilà. Je perds du poids. Bien dit, let's go. Manger plus équilibré. Ouais, ok. Bien fait, bien dit. Oui. Tu veux que je t'aide? Pas de soucis. Ok, c'est bon. J'ai entendu. Honnêtement, il faut lui donner des props à Florent. Florent, il tente de s'améliorer. Sauf franchement, je lui donne. Genre, comme s'il n'y avait aucune volonté, là, ça aurait été une autre histoire. Les parents de Florent lui reprochent de ne pas être assez investi dans ses recherches d'emploi
alors qu'il est plombier de formation. J'ai envie qu'il arrête de nous prendre pour des imbéciles. Allez. Tu n'as jamais fait les bonnes choses. Moi aussi, je suis en colère après toi. C'est pas après toi que j'en ai le plus à faire. Moi, je suis en colère parce que tu dis que je ressemble toujours à mon père. Je suis en colère parce que t'es violent. Et en plus, avec tes sœurs, c'est une honte. Je suis en colère parce que je ne t'ai pas désiré. Quoi ? Madame, c'était pas le moment d'annoncer quoi ? Il y avait des meilleures situations que d'annoncer quoi ? Mais il fallait... Non, il fallait pas le dire tout simplement. Genre, qu'est-ce que je raconte ? Il y a pas de situation. Faut pas le dire, ça. Non, madame, non ! Ça, c'est une erreur fatale qui va... Il n'a pas été désiré ! Et puis j'en ai souffert de tout ça ! J'en ai marre d'être maltraité ! Et je veux pas reprendre la même chemin avec Florent ! Parce qu'il me fait souffrir ! J'adore la musique épique qui a vraiment aucun rapport dans ce genre de contexte là, mais c'est quoi ça? J'en ai marre de te battre! J'en ai marre de mes attaques! Lâchez-lui ce marteau, vite! Vite! Je me l'avais dit, les reilles! Vraiment la rage que j'avais en moi, et c'est là que j'ai lui avoué mon secret. C'est là, je crois que ça m'a vraiment enlevé le poids que. C'est fou ça. Que j'avais en moi. Ma mère m'a dit que j'étais pas un enfant d'amour parce que. Je suis né dans la violence. Quand j'étais petit, j'ai vécu dans la violence. Ça, c'est sad. Et ça m'a fait du bien. Ça, c'est une première étape. Après, je comprends. Maintenant, ça me permet de comprendre mieux cette frustration générale qu'il y a dans la maison. Et c'est terrible quand on y repense vraiment. Là, remettez ça en contexte. Rappelez-vous tous les moments qu'on a vus depuis le début. Et dites-vous qu'à chaque moment de frustration, il y avait aussi ça dans le background de la dame, là. C'est fou. C'est avec Karine Lebovici, psychologue, que Sylviane, Joël et Florent vont à présent s'entretenir. J'ai trop hâte d'écouter ça. Je vous propose qu'en même temps qu'on passe la séquence de psychologue, je fasse le meilleur dodo de la Terre. Ah. Et pour bien cerner la... Pour accélérer le processus de réconciliation, Pascal va passer à la vitesse supérieure. À quelques kilomètres du bootcamp, notre éducateur a organisé un événement de taille qui risque de bouleverser toute la famille. Technique de Pascal, en fait, il va montrer en fait les moments où il a été agressif avec ses parents face à un public. Et ça, la pression sociale, les reilles, c'est la preuve que ça a un impact psychologique sur les gens. Là. Apparemment, c'est eux qui te payent tout. Je pense que la moindre des choses, c'est de les respecter. Tu te crois un homme, en fait, non, tu y es pas du tout. Hein. Mentalement, tu y es pas. C'est épanouissant de rien faire comme ça. Quelques heures plus tard, Pascal poursuit sa mission aux côtés de Florent. Moi, je le un sens. Employeur, Laetitia, coach en images et spécialiste en... Laetitia, coach, c'est pas la première fois qu'on la voit, elle. Là. Je me rappelle que son visage me dit quelque chose. Je vais te présenter ce que j'ai sélectionné pour toi, et puis tu vas aller faire les essayages. Ok. On est parti ? Ouais. C'est parti. Faut surtout pas le fermer. Oh, waouh ! Est-ce qu'on peut confirmer les reilles ? Notre blood ici présent est passé de Shrek à Hulk confirmé. Quel flow ! Et ça se finit sur les... Tout le monde se réconcilie. C'est magnifique, c'est beau. Attendez, il y a un petit message de fin. On va quand même confirmer si notre blood ici présent a fait tout cette évolution-là. Bon, je m'excuse pour tout ce que je t'ai fait subir. Inspirant. Je ne savais pas que tu avais souffert autant que moi. Trop fort. Donc, crois-moi, je vais changer. Maman, je t'aime énormément, ton fils qui t'aime, Florent. Si je t'aime, mon fils. Trop fort. Hulk confirmé, les reilles. Il a glow up. Merci à tout le monde sur YouTube qui a regardé cette vidéo. C'est un épisode exceptionnel, les reilles, ce soir. Franchement, j'ai grave kiffé. Je suis convaincu de Florent. Florent, il a vraiment fait du travail incroyable. Franchement, je suis fier de lui. Il y a tout son univers qu'il faut améliorer, là, qu'il faut revoir, ses potes et tout. J'aimerais bien voir, en fait, à quel point c'est des chômeurs. Mais anyways, merci beaucoup YouTube d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à la prochaine. Prenez soin de vous. Pendant ce temps, je mets quelqu'un au goulag. Attention, attendez. Pour finir cette vidéo, je mets quelqu'un au goulag. Hop là, goulag temporaire pour toi. Boum. Merci. Merveilleux. Ils sont dans la hi-fi, à fond à minuit. Litre de Lily, de couleur glycine, laisse m'adoucir, je me suis affermi, pas vraiment d'amis, je suis dans mon abri, faut pas que je perde la face, je prends que la moitié de la tasse, je suis dans son très bon sens.